Mamichon TV, le miroir du monde. En direct de l'Assemblée provinciale, maintenant, Mamichon TV va vous présenter tous les candidats. Quelques candidats que nous avons pris pour vous. Et Bolanda, vraiment discours Nabango, parce qu'on était ici en direct pour vous prendre ces images des discours des candidats gouverneurs. Il y a Ville à Kinshasa, Tokoti Kilabino, Bolanda, discours Nabango pendant quelques minutes. Et on va revenir donner vos points de vue, Boe Bisabiso. Comment vous avez trouvé leur discours? Est-ce que Baza vraiment Batou ou Baza valable pour Nako Kamba et Ngumba Kinshasa? Question mark. On vous laisse suivre et on va revenir tout à l'heure. Merci. Je sais que la ville va nous revenir et nous sommes en train de faire des alliances. Donc le mercredi, c'est le ticket Batumona et Jérôme qui va triompher. Merci. Merci. Roger Nyamalonga, Kinshasa, Poto Moindo, c'est encore possible. C'est toujours possible. Voilà pourquoi Tolobaki, il faut tout luka mbongo à l'état et kota, la caisse à l'état. Tout kangami ibi mbongo wana, pour misala wana batika mwe libela, ceux qui mbongo à l'état et koti, tout refinancer par priorité. Tolobaki, 12 priorités, ndenge bana ya 12 tibi Israël, 12 priorités. C'est un chiffre mystique. Voilà pourquoi on a pona ki 12. Tolobi, full wesila. Tolobi, ba. Terrasser la biso et sokoma. Tout le monde hygiène et yébana à travers le civisme. Bana déjà classe na troisième année, bala que ça place au bois sanité na poubelle. Ou les alakara boende, baboka basacha au pur. Tout le monde, toko bakissa, basaper pompier. Chaque commune na trois camions aé, même na quatre ambulances. Ceux qui montent péli, somme temps n'a pas ce balotement, ba même l'hôpital. Pourquoi pas tout ça, hélicoptère? Pour na volota bato ba sali ba accident grave ya mine tolobi to robaxa ba nini to créer centre culturel africain ba touriste ba yaka ba savant boyebi ke o ya créer ki mwinda ezali noir ba savant africain ba ya na ku na kisasa tozana journée mokote o bato mikili mubi makoya na kisasa bato point na bato Brazzaville bazana fes pack na bango ndengo na Bisonne, tu vas célébrer le savant africain. Le prix Nobel de la paix. Même à Poto, Baya, ba Obama, Poto, c'est pendant 6 jours. Qui est même bang. Mais voilà, photo bongisa mboka. Il faut tourisme zonga. Le monument, où il y a le chef Ngafani, le chef Lingwala, le chef Bandal, le chef Malala. Nous sommes tous en pour que Congolais soit le chef de la banque. Cimetière n'yango ba monument akala ya roi Léopold ou papa mona est passé pour notre ngacha mais le fait tozongisa to bongisa ba stade ou to koyamba ba grande activité culturelle ni ce stade Vélodrome stade oya kabamba cardinal Malula to tonga pe ba stade mususu to tonga ba centre culturel minene ko kota 3000 personnes na ba commune na ba quartier na ba cité voilà pourquoi Tolobi Kinshasa engenga Engenga na esprit asika. Qui nous a posa à ce pélan en Bokarai. Bisoto se pélara, tu auras un bis à courant. Tu se pélara, hygiène, ce qui papa a le moins salité, c'est pas Betty Fimbo. Voilà pourquoi tu l'obis. Biso, na IDPS, ticket Batumona, Jéoko Moulumba, tu as un ticket gagnant. Pour tout ça, la politique, il y a le président Félix Tshisekedi qui vainque la pauvreté. Merci beaucoup. On a changé Kinshasa. Kinshasa avec ma canisse Sika, Poto Tonga, Kinshasa Sika. Mais ça, le programme n'a pas un axe misato majeur. Axe Aliboso et Zali, pendant 6 mois, pour appliquer un programme d'urgence dans la matière d'assainissement. État d'urgence propriété, pour nettoyer tout ça. Premier axe. Deuxième axe, et à le niveau, il y a voirie. Potobongisa, Banzela, Nabiso Oyo, il y a Kinshasa. Après, avec tous les autres projets de Zalanso, c'est aussi ici, programme d'urgence. Dans le cadre du programme d'urgence, pour s'attaquer, pour ça, la Otobengi, municipalisation de développement, c'est-à-dire gestion, gouvernance, moko de proximité. Gouverneur à Ozalawana,
na likolo mais à opesa ba pouvoir na niveau ba entité de base de recréer ba service public locaux de proximité oyo s'occuper na makambo ya protection civile makambo ya ba intervention par rapport ya ba mai par rapport ya ya courant de travail synergie avec ba service compétent to ça là trotia ba service ya miki na niveau ya ya ba commune na niveau ba quartier on a réglé même problème il y a collecte il y a bah impôt problème il y a voirie. Il n'est pas normal que soko moi li boulumoko et salami nanzela photo c'est là au feu d'ayap 3 mois après moi li boulumoko comme mumene. Mais si on a un petit service à niveau quartier à commune qui constate qui intervient pour la banlieue de poule rapidement, on aura réglé le problème. Donc, Tolingi, municipalisation, gestion de proximité. Mais comme la sécurité, oui. Biso, Tozali, ba candidat gouverneur, pour la Maboko Nabino, Toza Maboko Pembe. Toye, Naoye Asika, parce que Motoso a sali 8 ans, a Kogi Kosala sous l'eau à Sikate. Ba candidat Bele Bomoni, Oye Bazali, Awa. Baza déjà bazala ba ministre ya ville ba vice gouverneur ba sala oyo fallait déjà limite na mawela kisa biso to lingi to sala ya sika Obama azala ki président pendant 8 ans akokai kotika la mais atika ki parce que ça bon après 8 ans mutako pe énergie mu souté ba to basali 12 ans ba ya lelo bazala yango biso tozo proposer to sala politique moko ya se na likolo participative ba députés provinciaux ba bourgmestre ba chef à quartier ba chef de rue tous ala ensemble to kobando kende pa na bango to sali par conseil des ministres na commune tel bango baza associé parce que ville les en état moko ya kobeba to kobanda na nini foko solana bango commune na bino to sala boye to sala nini bango ba lobi biso to yoki to sali ensemble et na yebisi bino ke politique participative on a proposé et ali pour que peuple a na pouvoir et ozana téléphone moko destiné WhatsApp et SMS pour la population. Ils ont un téléphone moko pour les députés provinciaux et ils ont un téléphone moko pour les Yangaï. Mais ils ont besoin de faire devant le peuple. Le peuple les députés sont là, le peuple est voté qui bango, le peuple est là, le peuple est là, bango, tout ça ensemble. Donc c'est ça que je propose la politique participative. Voilà. La ville a totalement changé, elle était construite pour 2 millions d'habitants au moment où elle est devenue capitale. Nous sommes à 13 millions et nous avons une grande commune qui s'appelle Maïkou, qui représente plus de 70% de l'espace de la ville avec 3% de sa population. Donc c'est clair, il n'y a pas besoin d'être un grand mathématicien qui est là. La ville s'est redéployée de ce côté-là. Ça, c'est une question à nous. Pour nous, nous avons un super petit vers la qualité. Mal à Kinshasa, c'est un secteur de personnes. On est malade à Kinshasa, malade de notre environnement. Tout ça doit changer. On est malade de notre gouvernance. Kinshasa est mal géré, ce n'est pas notre bien. Donc voilà, Kinshasa 2, c'est à la fois une invitation vers une nouvelle vie, mais aussi vers une nouvelle façon de faire. Et le maître mot de tout ça, c'est la bonne gouvernance. Je l'ai pratiqué partout. Je l'ai pratiqué dans le sport. C'est peut-être moi du côté olympique. Vous avez suivi, vous avez vu les innovations que j'ai apportées à la zone. Je ne sais pas aujourd'hui, la ville a besoin d'innover. Et de partir sur des idées nouvelles. On ne va pas faire avec des lancers. C'est ça. Et question à l'égala. S'il vous plaît. Révolution à la mentalité, pourquoi ma batterie est si grave.
parce que ville la puissance, les arts, ce que ça a été, les gars, ça a 160e pays. Les arts, on est les arts, ils sont à Paris, à Tananarivo, par la taille, par la population. Mais les arts, il y a souka, parce que bêtise la puissance, ils sont à l'autre. C'est ça, il y a souka. Les arts, c'est le ganté, les arts, c'est le maté, les arts, réellement, la baraque. Donc, il y a un bras à la photo, assez à la crise, quelque part, le quoi est pour ça. Voilà, nous, on a une chose. Merci. Merci. Gouverneur pour la ville de Kinshasa. Je suis monsieur Bien-Aimé, qui doit de l'Emba. C'est là que j'ai passé mon enfance et mon adolescence. J'ai étudié au collège Boboto et après le bac, donc après le diplôme d'État, j'ai fait mes études en France. D'abord de physico-chimie, après les sciences de gestion. J'ai une certaine expérience dans le fonctionnement des institutions, dans les entreprises privées et publiques. Et avec cette expérience, j'ai jugé utile de le mettre au service de la vie pour la vie. Pourquoi gouverneur? Être gouverneur, c'est une grâce. C'est Dieu qui élève. C'est pas gagner plus d'argent. C'est une responsabilité immense pour être au service de ses concitoyens. Quand on dispose de certaines compétences et de certains talents, on les met au service de la communauté. J'ai décidé effectivement d'apporter ma pierre au service de la communauté. Et je pense que je suis la personne la mieux à même à pouvoir répondre aujourd'hui aux défis qui s'annoncent pour la ville de Kinshasa. Regardez tout autour de nous, il y a un défi immense. Il faudrait qu'il y ait des gens avec certaines compétences et surtout disposés à pouvoir servir. Voilà pour ma journée. Alors, si on peut vous poser la question de savoir, dans 100 jours, si vous êtes élu gouverneur, priorité. Je présente mon programme tout à l'heure aux grands électeurs. La priorité, mais tout est prioritaire. Regardez le cas de la ville, la santé, l'éducation, l'assainissement. Tout est prioritaire. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver le moyen pour pouvoir répondre aux besoins de ces priorités-là. Tout est prioritaire. L'assainissement. On doit répondre rapidement au problème d'assainissement. J'en connais quelque chose, je suis aussi physico-chimiste. Je ne sais pas où commencer et résoudre ce problème. L'éducation en tant qu'enseignant aussi, je connais la nécessité de l'éducation. On doit pouvoir répondre à toutes nos attentes. Savez-vous déjà qu'il y a plus de 400 000 enfants qui ne sont pas scolarisés? Il faut répondre à ces besoins. Si nous ne répondons pas aujourd'hui, ça sera un grand problème demain quand il sera à l'âge adulte. Donc tout est prioritaire. On va s'y atteler, apporter des réponses sur toutes les orientations et rapidement. Merci. Je plonge. Vous dites si vous voulez, je vais plonger. Moi, je suis prêt. Hein? Mais je suis connu, j'espère, par le nom du professeur recteur de William Boots, l'honorable Roger Dumoila, député provincial élu de la circonscription de Barumbu. Voilà ce que je peux dire. C'est justement ce que nous allons présenter cet après-midi. Au sein de l'Assemblée, nous avons produit un programme, nous l'avons publié, nous l'avons distribué à tous les Kinois. Ce programme, c'est ce que j'appelle Kinshasa Pur, un programme d'urgence pour la refondation de Kinshasa. Parce que je pense, quant à moi, que les conditions de vivre ensemble ne sont plus réunies pour tous les Kinois et les Kinoises. Et qu'il faut tout faire pour revenir à la normalité. Dès le moment où on aura atteint la normalité, on pourra entreprendre de grands projets pharaoniques, modernistes, tout ce que vous voulez. Mais pour l'instant, il est important de retrouver les bases de ce qu'une ville soit une ville. Les problèmes de salubrité, de mobilité, d'insécurité, et d'infrastructure, etc., etc., sont tellement nombreux qu'il faut des solutions simples. Mais ces solutions doivent être en adéquation avec le budget. On ne peut pas faire de projets qui sont au-delà du budget. Quelle est notre capacité à mobiliser? C'est ça la vraie question. On peut proposer des projets, construire 10 000 gratte-ciel si on n'a pas l'argent. Il faut aller quoi? Emprunter? La ville est déjà hyper endettée. Avec quels moyens faire cela? C'est pour cette raison que moi, votre candidat, le professeur Roger Dumoila, qui a une expertise, qui connaît la ville, qui a travaillé, propose un programme en 12 piliers, simple,
qui devra permettre de rentrer dans un cercle vertueux afin de créer de la richesse et réinvestir cette richesse et dans les infrastructures et dans le social et rétablir ainsi la confiance entre la population et ses dirigeants. Avec ce que j'appelle l'effet vertueux, nous pourrons augmenter notre budget pour que dans 5 ans, on puisse atteindre le cap d'un milliard. Donc il faut raison garder avant de proposer tellement de choses juste pour plaire à la population. Ngai bimwa na mon père Roger le prof. Elia Barumbo, Bana Barumbo, vous voyez bien. Ma mission TV, le miroir du monde.